Alors on va corriger quelques exercices élémentaires de mécanique des milieux continus sur des champs de déplacement simples et sur des déformations biaxiales et des déformations de cisaillement, tenseur des déformations, tenseur des rotations. Donc on considère un champ 2D de déplacement qui est donné par les déformations suivantes, U de XY égale à 1, V de XY égale à 1,5, W de XY égale à 0. On nous dit que sous l'action de ce champ de déplacement, on nous demande de déterminer les positions donc des quatre sommets donc du carré ci-dessous. De côté, représenté par les points A de coordonnées 0, 0, B de coordonnées 1, 0, C de coordonnées 0, 1 et D de coordonnées 1, 1. De calculer ensuite le tenseur de déformation. Alors, en préambule, je rappelle un peu de cours par rapport à la vidéo que j'ai fait précédemment sur les champs de déplacement élémentaires. Donc, on considère un vecteur, un point M de l'espace représenté par un point M du solide, représenté par ses coordonnées XY, Z. Petit u, c'est le vecteur de déformation. Donc, en fait, on va avoir une déformation. Ce point M va être translaté, va être modifié. En général, on s'intéresse à la déformation d'un vecteur, d'accord, en R plus U. Donc U va être coordonnée X, Y, Z, ça va être notre champ de déplacement. Notre champ de déplacement U va être régi par trois vecteurs qui sont U de X, Y, Z qui va nous définir le déplacement sur l'axe Y, V de X, Y, Z qui va nous définir le déplacement sur l'axe Y, le premier c'est l'axe X, pardon, et W de X, Y, Z qui va, donc ce sont trois composantes qui ne dépendent pas de Z ici dans le cas spécifique. Bon, voilà. Donc je vais le traiter. Je rappelle que le tenseur de déformation a pour composante suivante, noter E avec une double barre, après c'est une question de notation. Donc a pour composante EIJ qui vaut 1/2 la dérivée partielle de UI par rapport à XJ plus dérivée partielle de UJ par rapport à XJ. Autrement dit, pour les premières composantes, on va avoir 1/2 de dérivée partielle de U par rapport à X plus dérivée partielle de U par rapport à dérivée partielle de V par rapport à X. Pour deuxième coordonnée, 1/2 dérivée partielle de U par rapport à Y, plus 1/2 de dérivée partielle de V par rapport à X. On a en fait les contraintes, je dirais, de déformation dans la diagonale. Et pour les éléments non diagonaux, ce sont les contraintes en fait de cisaillement. OK? Effectivement, bon, ça on va le voir par la suite. Donc je rappelle qu'effectivement E est un tenseur symétrique qui a pour composante de dérivée partielle de U par rapport à XJ qui vaut 1/2 de dérivée partielle de UI par rapport à XJ plus dérivée partielle de UJ par rapport à XI plus 1/2 de dérivée partielle de UI par rapport à XJ moins dérivée partielle de UJ par rapport à XJ. Et que en notation abrégée, on a que la dérivée partielle de UI par rapport à XJ est égale à EIJ plus WIJ, où EIJ est la partie symétrique en fait de mon tenseur qui caractérise en fait les déformations, et WIJ c'est la partie antisymétrique qui caractérise les rotations. Effectivement, la matrice donc de déformation des ronds UXI, des ronds UI sur des ronds XI, des ronds XJ, ici on est en dimension 2. Ça va être la matrice des coordonnées respectives des ronds U sur des ronds X, des ronds V sur des ronds X, des ronds U sur des ronds Y et des ronds V sur des ronds Y. Donc de cette matrice, en fait, on va déduire les tenseurs de déformation E et U en prenant les parties symétriques et antisymétriques, en fait, pour avoir les informations de rotation et de non-rotation. Voilà. On nous donne les champs de déformation. U de XY égale 1, V de XY égale 1,5, W de XY est égal à 0. Donc on les calcule comme suit. E de XY, bon, c'est un tenseur symétrique, c'est E de YX, ça sera 1/2 de dérivée partielle de U par rapport à Y plus dérivée partielle de V par rapport à X. Donc je vais représenter R', mon vecteur en fait qui a été déformé suivant R plus U vectoriellement. Donc le point A de coordonnées 0, 0. En quoi va-t-il se transformer? Ben, il va se transformer au point A'. Si je dérive partiellement U par rapport à Y, ben, j'obtiens 0. Si je dérive partiellement V par rapport à X, j'obtiens 0, puisque V est une constante. Et donc E de XY est égal à E de YX est égal à 0. Le point de coordonnée 0 va se translater de 1 suivant x, et il va se transporter de 0, va passer à 1/2 suivant y, autrement dit, A va devenir A' de coordonnée 1, 1/2. De la même manière, on calcule
En utilisant donc cette formule, le vecteur déplacement, le point B de coordonnées 1, 0 va se transformer au point de coordonnées 1 plus le déplacement suivant x qui est 1, donc ça fait 2, et de 0 plus le déplacement suivant y qui est 1 demi, donc c'est 1 demi B' ici. De même, C de coordonnées 0, 1 va devenir 1, 3 demi, donc ça va être C'. Et D de coordonnées 1, 1 avec ce champ de déplacement va devenir 2, 3 demi. Ok? Autrement dit, le vecteur ABCD devient le vecteur A', B', C', D'. Il n'y a pas de déformation. Et donc, puisque c'est uniquement une translation, donc une translation ne déforme pas un solide. Donc je vous ai re-rappelé la formule qui calcule le tenseur des contraintes EIJ qui vaut 1/2 d rond UI sur d rond XI plus d rond UJ plus d rond XI. Et donc, je vais vous présenter ici pour le champ de déplacement que nous avons, qui nous a été donné, le champ le torseur des déformations qui est en fait le torseur nul. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok, alors, question B maintenant. Calcul tenseur déformation, c'est fait. On nous demande de recommencer ces deux questions pour les champs de déplacement suivants. Donc, on va considérer ce champ de déplacement, U de XX égale X, U de XY égale 0 et W de XY égale 0. D'accord? Donc, je calcule pour mes torseurs E de XX, qui est la dérivée partielle de U, donc le champ de déplacement sur X par rapport à X, c'est 0. E de Y, c'est la dérivée partielle de V par rapport, donc champ de déplacement sur Y par rapport à Y, c'est 0. Et E et ma contrainte suivant Z, E de ZZ, qui sera la dérivée partielle de V par rapport à Z, qui est 0. Mais mes contraintes de six amants croisées EXY, qui va à l'un demi D rond U sur D rond Y plus D rond V sur D rond X, sont nulles également. D'accord? Je rappelle effectivement la formule, notation de d'Eschine simplifiée. Différencier dx, donc qui sera égal à du1, dy sera du2, dz, du3, donc du1 qui vaut exy plus wxy dy, plus exz plus wxz dz, plus exx plus wxx dz. Ok, maintenant pour la question C. Donc recommencer, donc voilà, si on considère le deuxième tenseur de déplacement, 0, y et 0, donc u de xy égale 0, v de xy égale y et w de xy égale 0, on va obtenir donc la déformation suivante. Ah ben ça je l'avais fait, donc pardon, donc celui-là je l'ai, ah ben okay. Donc c'est le premier, donc je reprends le premier. Donc avec ce champ de déplacement, on a les modifications suivantes, d'accord? A reste identique à lui-même, A prime. B de coordonnées 1, 0 bah, va devenir B prime. Il se déplace de X, donc on va avoir 1 plus 1, donc 2 suivant X. Et 0, le déplacement suivant Y est nul, donc on va avoir B prime de coordonnées 2, 0. De même, on calcule en appliquant la même règle, C de coordonnées 0, 1 va devenir C prime de coordonnées 0, 1. Et D de coordonnées 1, 1 va devenir D prime de coordonnées 2, 1. Autrement dit, on voit que notre rectangle bleu devient notre rectangle. Notre carré bleu devient un rectangle orange après déformation. D'accord? Et donc les champs de déformation sont les suivants. On a comme tenseur de déformation, on calcule E de XX qui est D rond U sur D rond X qui vaut 1, E de YY qui vaut D rond V sur D rond Y qui vaut 0, E de ZZ qui vaut D rond W sur D rond Z qui vaut 0. On a de la même manière E de XY qui vaut donc E de YX. X, puisque notre tenseur est symétrique, 1 demi de la dérivée partielle de U, U étant le champ de déplacement suivant X, qu'on dérive par rapport à la coordonnée, deuxième coordonnée d'espace Y, plus la dérivée partielle de V, V étant le champ de déplacement suivant Y, qu'on dérive avec par rapport à notre première coordonnée d'espace X, et donc égale à 0. On fait le même pour les autres, on obtient 0. Autrement dit, notre tenseur de déformation pour le champ de déplacement considéré est le suivant. Donc c'est la matrice 3-3 de coordonnées 1, 0, 0, 0, 0, 0 et 0, 0, 0. Je vous ai redonné la méthode de calcul des éléments du tenseur des contraintes. D'accord? Maintenant, en petit c, effectivement, on prend. Attends, est-ce qu'on en est là ou pas encore? Non, alors là, on prend la deuxième. On prend donc ce champ de déplacement. Ok? Bien, en utilisant ce champ de déplacement, eh bien, on va avoir A qui va se transformer en A' qui reste en lui-même, B de coordonnées 1, 0 qui devient B' de coordonnées 1, 0. Je vous refais le calcul, je vous le réexplique. Vous partez la coordonnée de votre point, donc X, auquel vous lui ajoutez bah, effectivement le vectoriellement le déplacement sur X, c'est 0, autrement dit, ça reste à 1. Et l'ordonnée de 0, donc vous lui rajoutez bah, son ordonnée d'origine Y qui est égale à 0, ça reste en 0. Autrement dit, B' reste inchangé, reste en B.
Par contre, C et D, eux, vont changer, parce que C de coordonnées 0, 1 va devenir C' de coordonnées, donc 0 plus 0, 0, et 1 plus Y qui est égal à 1, 1 plus 1 qui est égal à 2. De même, D de coordonnées 1, 1 se transforme en D' de coordonnées 1, 2. Autrement dit, je vous ai modélisé donc la déformation de notre solide avant et après, d'accord? On a effectivement une déformation sur Y. Donc notre tenseur, on imagine bien qu'il va être de cette forme, effectivement. Je vous laisse faire le calcul. Je vous ai redonné donc les formules pour calculer les éléments de contrainte de notre tenseur de déformation. Exx, c'est d rond u sur d rond x. Eyz, d rond v sur d rond y. Ezz, d rond w sur d rond z. OK. Maintenant, on considère le champ de déplacement suivant. U de xy qui vaut x2 plus y2. V de xy qui vaut 2x moins y. Et w de xy égale 0. Eh bien, vous appliquez donc ce champ de déplacement au point donc A de coordonnées 0 qui va se transformer en A'. Le point B de coordonnées 1, 0 ben, va devenir B' coordonnées 2, 2. C de coordonnées 0, 1 va devenir C' coordonnées 1, 0. Et D de coordonnées 1, 1 va devenir D' de coordonnées 3, 2. Donc je vous fais le calcul pour le dernier. Donc 1 en abscisse de D, ben, ça va devenir 1 plus ben, X2 plus X2 plus Y2, c'est 1 au carré plus D, 1 au carré, c'est-à-dire 2. Autrement dit, 1 plus 2, ça fait 3. Et 1 en ordonnée de D, ça va devenir donc 1 plus la déformation suivant Y, c'est 2x, donc 2x est égal à 1, donc 2 fois 1 moins 1, plus 1, c'est égal à 2. Okay? Autrement dit, votre carré va devenir, se transforme, c'est un étirement en fait à 45 degrés, on va dire, suivant la bisectrice de l'axe XY. Et effectivement, si vous calculez votre tenseur de contrainte, vous obtenez que E de XX qui est d rond U sur d rond X qui vaut 2X, E de YY d rond V sur d rond Y qui vaut moins 1, et E de ZZ qui vaut d rond V sur d rond Z qui vaut 0. Pour les contraintes de cisaillement, on a de E de XY qui vaut de EYX qui vaut 1/2 de d rond U sur d rond Y plus d rond V sur d rond X. 1/2 donc de d rond U sur d rond Y puisque vous dérivez partiellement U par rapport à Y, vous obtenez 2Y. OK? Et si vous dérivez partiellement V par rapport à X, vous obtenez moins 1. Okay, donc 2Y moins 1. Donc 1/2 de 2Y plus 2. Non, si vous dérivez partiellement V par rapport à X, vous obtenez 2. Puisque 2X. 1/2 donc 2Y plus 2, autrement dit, la contrainte de cisaillement sur XY, c'est Y plus 1. De même, on calcule les contraintes de cisaillement suivant XZ et YZ. À l'aide de la même définition sur la dérivée partielle, on obtient que c'est 0, 0. Autrement dit, notre tenseur de contrainte pour le champ de déplacement en question, qui est donc ce champ de déplacement, est donné par la matrice 3, 3, 2x, de y plus 1, 0 pour le premier vecteur colonne, y plus 1, moins 1, 0, et 0, 0, moins 1, et 0. Alors, on fait maintenant le deuxième exercice. Donc déformation biaxiale. On considère un solide dans un état simple de déformation biaxiale. Le tenseur de déformation est donné par E alpha 0, 0, 0 alpha 0, 0, 0, 0. On demande de calculer le champ de déplacement UVIW, de dessiner les déformations du carré de la figure 1. On prendra alpha égale 0,2. On supposera que le tenseur de rotation est nul, W égale 0. On nous demande de calculer ensuite les variations du volume d'un cube de volume V en utilisant la trace de la matrice du tenseur de déformation. Alors, donc je vous ai réécrit donc le tenseur des déformations. On en déduit qu'effectivement il n'y a pas de rotation, donc le tenseur de rotation W est la matrice nulle, pas de rotation locale. Ainsi, en notation d'Einstein, d rond i sur d rond x ij est égal à eij plus wij, wij est égal à 0, donc c'est égal à eij. OK. Alors, en rouge, je vous ai déterminé en fait les composantes. C'est d rond u sur d rond z, d rond v sur d rond z, d rond w sur d rond z. D rond u sur d rond z, c'est d rond v sur d rond z, c'est d rond w sur d rond z. Donc, il y a invariance suivant z. D rond w sur d rond x, c'est d rond w sur d rond y. Donc, w est une constante. Donc, tout le monde se déplace de la même quantité suivant z. D rond U sur D rond X est égal à alpha, D rond U sur D rond Y est égal à 0. Autrement dit, U de X est de la forme alpha X plus U0 de Y. A priori, ça ne dépend pas de X. U0 est une vraie constante. U de X est de la forme alpha X plus U0. Et de même, on trouve que V de Y est de la forme alpha Y plus V0.
À l'aide du tenseur déformation, du tenseur rotation, on peut remonter à la déformation à chaque point. En fait, au point original, à une constante de translation près. D'accord? U0, V0, W sont les trois composantes d'une translation uniforme. D'accord. Donc, pour l'exemple, on prend U0 égale V0 égale W0. Donc, U2X égale alpha X. V2Y égale alpha Y. Voilà. Donc au départ, on a une aire de 1 en 2D. L'aire finale, c'est 1 plus alpha facteur de 1 plus alpha. Donc 1 plus 2 alpha plus alpha 2. Alpha étant petit, on peut donc assimiler à l'aire comme étant égal à 0 plus 2 alpha à 0. On néglige les termes d'ordre 2. Et donc la trace de ce tenseur nous renseigne en fait, on identifie sur le changement de volume. On a que a moins 0 sur a 0. C'est la trace du tenseur en fait de déformation pour alpha petit. Ce calcul en fait va nous dire si notre transformation est compressible ou incompressible. Pour alpha égale 0,2, on trouve a qui est égal à 1,2 par 1,2, autrement dit 1,44. Et si on calcule a moins 0 sur a0, on obtient que c'est 2 alpha à 0,4, d'où a sensiblement égal à a0 facteur de 1 plus 0,4 qui est égal à 1,4 a0. On est donc bon jusqu'au troisième chiffre significatif, et donc cette approximation est valable pour les petites déformations. Exercice 3. Déformation de cisaillement. Donc, on considère un solide dans un état de déformation donné. Le tenseur de déformation est le suivant. Donc, 0, 0, alpha, 0, 0, 0, alpha, 0, 0. On supposera que le tenseur des rotations est nul. On demande de calculer le champ de déformation UVW, de dessiner la déformation d'un cube de largeur unité en prenant alpha égale 0,2. OK. De calculer les variations de volume d'un cube de volume V en utilisant la trace de la matrice du tenseur des déformations. OK. Eh bien, pareil, je vous ai mis les calculs, c'est vraiment pareil que précédemment. Vous obtenez donc V de X est la forme alpha X plus V0. Et donc U, la déformation de la forme alpha Y alpha X 0. Hein, vous voyez qu'en fait, c'est une déformation. On étire à 45 degrés, on compresse en fait à 135 degrés, plus ou moins. La trace de notre tenseur de déformation est nulle, donc on parle d'une transformation incompressible. Autrement dit, il y a conservation du volume. Notre carré qui devient notre carré bleu, après les déformations, se transforme en notre losange noir et il y a conservation de l'air. Ok, donc notre tenseur contrainte en 2D va être de la forme 0, alpha, alpha, 0. Et il faut trouver les vecteurs propres pour avoir en fait les directions de déformation et les valeurs propres pour avoir l'amplitude de la déformation. Donc on le fait, hein, on calcule donc les vecteurs propres, les valeurs propres à l'aide donc de l'outillage mathématique de l'algèbre linéaire. Donc il faut calculer le déterminant de E moins lambda I, hein. Comme on dit, c'est le déterminant de moins lambda, alpha, alpha, moins lambda. Donc si c'est moins alpha carré, moins lambda 2, d'où lambda égale plus ou moins alpha. Pour les vecteurs propres, on va les appeler, donc lambda de plus, ça va être le vecteur propre, donc lambda plus, plus alpha, donc on va calculer b plus sous la forme bx plus et by plus, qui doit vérifier, donc le produit du tenseur contraint E par b plus doit être égal à lambda plus fois b plus par définition. Autrement dit, 0 alpha alpha 0, donc multiplié par b plus x b plus y est égal à lambda plus b plus x b plus y. Autrement dit, 0 plus alpha b plus y est égal à alpha b plus bx plus. Et alpha bx plus est égal à alpha bx y. Autrement dit, bx plus est égal à by. Et on a une première direction propre, donc, et on étire de alpha suivant cette direction. On choisit b plus orthonormé et on aura donc le bx plus qui est égal à by plus qui est égal à 1 sur racine de 2 ou moins 1 sur racine de 2. Ce qui est important, c'est la direction propre. Lambda moins qui vaut moins alpha. On a donc le produit de notre tenseur déformation, tenseur contrainte par b qui est égal à moins alpha b. Okay, puis c'est la deuxième valeur propre. On fait différents calculs, on obtient que bx moins est égal à moins by moins. On peut utiliser l'argument que les vecteurs propres sont orthogonaux puisqu'on a affaire à une matrice symétrique. En fait, ce sont des arguments purement mathématiques d'algèbre linéaire. Et on obtient que bx moins est égal à moins 1 sur racine de 2, by est égal à plus 1 sur racine de 2. Donc dans une direction, on va étirer avec un taux de déformation de alpha, et dans une direction perpendiculaire, on va comprimer avec un taux de déformation moins alpha. Donc avec cette transformation, on a un étirement de 45 degrés, avec une déformation alpha et une compression de 135 degrés avec cette déformation. Ok, bon, ça c'est un exercice que je vais donner que on ne résoudra pas.
Exercice 4. Donc, tenseur des déformations et tenseur de rotation. On nous demande de trouver les composantes E et J du tenseur des déformations E et ainsi que celles du tenseur de rotation W pour le champ de déplacement suivant. Donc, U de XYZ est de la forme AXY, V est de la forme XZ carré et W est de la forme CX carré plus Y carré. OK. On nous demande ensuite de calculer les variations de longueur des trois éléments infinitésimaux suivants. Donc, DX, X chapeau, X chapeau étant le vecteur unitaire suivant X est égal au triplé dx 0 0, dy y chapeau est égal au triplé 0 dy 0, et dz z chapeau qui est égal au triplé 0 0 dz pour le champ de déplacement donné à la question. Ok. Donc on va d'abord trouver les composantes du tenseur des déformations. Donc je vous rappelle donc la formule d rond ui sur d rond xi c'est eij plus wij où eij en fait c'est un tenseur en fait ce sont les composantes d'un tenseur symétrique qui est le tenseur de déformation et wij sont les composantes du tenseur matrice 3-3 antisymétrique qui nous renseigne sur la rotation locale. Donc on calcule ce tenseur, dérivée partielle de u par rapport à x et à y, dérivée partielle de u par rapport à y à x, dérivée partielle de u par rapport à z 0, dérivée partielle de v par rapport à x z carré, dérivée partielle de v par rapport à y 0, dérivée partielle de v par rapport à z 2xy, dérivée partielle de w, donc le champ de déplacement suivant z par rapport à x est égal à 2cx, la dérivée partielle du champ de déplacement suivant z par rapport à y, à deuxième coordonnée d'espace c'est 2cy. Et enfin, la dérivée partielle du champ de déplacement suivant z par rapport à z, c'est 0. Autrement dit, dui sur dxj se met sous la forme ay z carré 2cx, ax 0 2cy, 0 2xy est 0. La partie symétrique de la dérivée partielle de ui par rapport à xj nous renseigne sur les déformations, et la partie antisymétrique de la dérivée partielle de ui par rapport à xj sur les rotations. Donc EIJ, c'est la partie symétrique de notre tenseur ainsi calculé, d rond UI sur d rond XJ. Tous les éléments diagonaux ne changent pas, mais les éléments miroirs par rapport à la diagonale, en fait, on prend leur moyenne. OK? Donc, les éléments diagonaux qui sont AY, 0 et 0 ne changent pas, on les retrouve dans notre matrice symétrique. Et pour calculer les autres éléments, ben, vous utilisez le fait qu'une matrice est égale à cette matrice plus A transposée divisée par 2. Vous obtenez une matrice symétrique. C'est de l'algèbre linéaire. Autrement dit, pour le premier terme, je vous en fais un, ax plus z carré sur 2, ben c'est ax plus z carré sur 2. Pour ce terme-là, 2xyz plus 2cy sur 2, eh ben, c'est 2cy plus 2xz sur 2. Et vous obtenez donc pour la matrice des déformations, la matrice ay, ax plus z carré sur 2, c'est x, ax plus z carré sur 2, 0, x, z, CY et CX, XZ plus CY, 0. Voilà. Je vous ai redonné la définition du matrice symétrique. Vous calculez S plus la transposée de S sur 2, ça revient à faire une moyenne par rapport à la diagonale. Pour une matrice antisymétrique, ben S moins la transposée de S sur 2 est une matrice antisymétrique. Voilà. C'est du calcul matriciel. Donc je vous donne la matrice des rotations calculée suivant cette méthode de calcul de l'algèbre linéaire. Et vous avez WIJ qui représente la partie antisymétrique de notre déformation de la dérivée partielle de u par rapport à x, qui se met sous la forme ay moins y, z carré moins ax sur 2, 2cx moins 0 sur 2, ax moins z carré sur 2, 0 moins 0, 2cy moins 2 moins 2xy sur 2, 0 moins 2cx sur 2, 2xz moins 2cy sur 2, 0 moins 0. Effectivement, une matrice antisymétrique a toujours ces éléments diagonaux nuls. Et voilà, je vous ai donc donné la forme de la matrice. Alors, on va passer maintenant au dernier exercice, enfin, au dernier exercice, la dernière partie. On demande de calculer les variations de longueur donc des trois éléments infinitésimaux suivants pour le champ de déplacement. Bien, donc je vous les ai réécrits. Vous avez dx sur x chapeau qui vaut dx 0, 0, dy y chapeau 0, dy 0, et le triplé 0, 0, dz qui représente le déplacement suivant z chapeau. Je vous ai représenté donc le trièdre direct avec les vecteurs unitaires suivant les trois coordonnées d'espace en cartésienne. Bien, et bien O va se transformer en O' et on va prendre A, donc qui est l'élément translaté de dx de O suivant x, qui va devenir A'. Et bien O est le point de coordonnées 0, 0, 0, O' va être de coordonnées 0, 0, 0, puisque si vous faites un dx avec x qui est égal à 0, le dx élémentaire c'est 0. A qui est dx va être translaté, donc va se transformer en A' en dx.
Et en 0 suivant y et suivant z, on va avoir du cdx carré. OK? Voilà. Autrement dit, un nombre de O, c'est dx. La nombre de O prima, ça va être dx carré plus c carré dx 4. Autrement dit, dx racine de 1 plus c carré dx carré. On applique Pythagore. Ça, c'est à l'ordre 1 sensiblement égal à dx. La norme de OA prime sensiblement égale à différentiel, déplacement infinitésimal dx, soit la norme de OA. dy sur y chapeau, c'est 0, dy, 0. Autrement dit, je vous ai réécrit, en fait, les nouvelles coordonnées de déplacement. O qui devient O prime et B qui devient B prime. Autrement dit, OB prime, c'est la norme de racine de dy carré plus c carré de dy 4. Autrement dit, norme de O prime B prime, c'est dy facteur de racine de 1 plus c carré de dy, c'est sensiblement égal à dy. Bon, vous faites le calcul, vous apercevez en fait que rien n'a changé. Et en fait, vous avez approximé la norme de dl carré par dl carré plus des termes qui sont égaux à 0, puisque c'est les termes croisés. Et donc avec cette transformation, dl prime carré est égal à dl. Ça ne change pas la longueur. Bon, voilà. Donc voilà pour ces quelques exercices élémentaires de mécanique des milieux continus sur les champs de déformation.